Better Together. Je m'appelle Frédéric, je suis le président du jury. Je fais Better Together. C'est un concours de mentorat. Ça veut dire transmission, ça veut dire partage, ça veut dire aussi passion. Mentor est Stéphane Guénot, premier argentier et maître d'hôtel à l'Élysée. Alors le mentorat, ça va être pour un élève ou bien pour un professionnel, d'accompagner ou d'être accompagné, qui va pouvoir nous donner des conseils, qui va pouvoir nous axer vers différentes opportunités professionnelles. Et c'est vrai que monsieur Guénot, il est toujours là pour moi si j'ai une question. Donc c'est important de voir comment passe cette transmission aujourd'hui. L'objectif aussi du développement, c'est qu'on ne reste pas focalisé. C'est pas forcément la meilleure recette qui va gagner, c'est celui qui va mieux s'exprimer dans sa technique, dans son communication avec son apprenti. Et si on veut que les apprentis aujourd'hui réussissent demain, ben ça passe par ce mot magique qui est transmission. Je crois qu'on ne peut pas réussir dans la vie si on n'a pas des pairs, en tout cas être accompagné. On a des jeunes qui sont parfois en difficulté, et donc c'est vrai que le mentorat est une idée évidemment très importante. À l'école, on a aussi des formateurs et des formatrices qui sont formidables. Je crois qu'avoir une association qui parle de cette façon de faire et d'accompagner est vraiment important. Muriel Bouveau, je suis déléguée spéciale auprès de Valérie Pécresse à la région Île-de-France, en charge de la gastronomie et de l'artisanat. C'est un plaisir pour moi et pour la région Île-de-France d'être aux côtés de l'EPNT pour participer à cette finale du premier concours organisé ici sur le thème du mentorat, tutorat auprès de ces jeunes. C'est quand même le prix du président de la République, c'est quelque chose d'assez honorifique pour l'école. En plus, je vois en finale deux équipes Île-de-France, donc forcément, je ne peux être que réjouie. Et l'idée de la transmission, de l'accompagnement, du travail d'équipe, c'est forcément une valeur qu'on porte au sein de la région Île-de-France. Je veux dire qu'un concours, c'est équivalent à 3 mois de travail ou 4 mois de formation selon les concours. Donc, ça permet finalement d'avoir une autre ouverture d'esprit, découvrir justement des jeunes talents. On progresse dans un concours, on apprend. Moi, je suis épatée par les jeunes qui ont cuisiné aujourd'hui.